Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les élus régionaux, départementaux, nationaux, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs et au fond, chers tous, amis de l'industrie française, vous représentez des industriels, des fédérations, des associations, des élus régionaux, nationaux, départementaux et municipaux, et au fond, vous représentez à tous et à toutes l'équipe de France de l'industrie. Et Monsieur le Président, vous étiez hier en Égypte pendant 24 heures avec d'autres grands décideurs pour leur réaffirmer l'ambition française et européenne de faire tout pour évidemment remporter ce défi énorme qui est la lutte contre le dérèglement climatique. Vous êtes aussi ici, vous avez souhaité que ce soit le cas, face à des gens qui vont nous apporter des solutions. On est ici face, ça a été dit dans la presse, à 20% du problème. L'industrie française, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais vous représentez tous et toutes aussi à peu près 100% des solutions. Si on veut décarboner les transports, si on veut décarboner nos bâtiments, il va falloir évidemment que l'industrie nous fournisse des solutions. Et puis alors ici, vous êtes un peu plus que 20% du problème, vous êtes même 58% de ces 20%. Hein, ça a été dit aussi pas mal dans la presse ces derniers jours, les 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ils sont présents dans cette salle et ils représentent à eux seuls à peu près 58% des émissions de l'industrie française. Et donc vous avez souhaité, Monsieur le Président, avant votre intervention, les écouter. Écouter à la fois ceux qui font partie du problème et ceux qui font partie de la solution. On n'est ni dans un tribunal populaire, ni dans un confessionnal. On est dans une réunion qui est au fond une réunion de travail où on vous a demandé, messieurs d'abord, tous les trois, que je vais appeler tout de suite pour monter sur scène, de nous présenter à la fois vos ambitions, les défis auxquels vous faites face et les obstacles qu'il va falloir qu'on surmonte ensemble pour répondre aux objectifs ambitieux qu'on s'est donnés ensemble. Donc je vais tout de suite, sans transition, appeler nos trois premiers intervenants. On aura deux séries de trois interventions et ensuite, Monsieur le Président, on vous écoutera. Et donc Eric Nizella d'Arcelor, Bruno Pilon qui représente le secteur de la cimenterie et Luc Benoît-Catin. Merci de me rejoindre sur l'estrade. Vous prenez chacun un micro, un tabouret. Et on va vous écouter en commençant par vous, Eric. Vous êtes président d'Arcelor France. Alors, vous représentez à vous seul 25% des émissions de l'industrie française. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, ça va, merci. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça fait à peu près deux siècles qu'on fait de l'acier à partir du charbon. Et aujourd'hui, on fait encore de l'acier à partir du charbon. Et donc, comment on fait pour trouver les solutions qui nous permettront d'aller plus loin? Allez, expliquez-nous ça en 3-4 minutes. Ok, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour. Juste quelques mots pour dire qu'au-delà des 25%, on représente aussi 15 000 emplois en France, 40 sites de production, de distribution et une R&D pratiquement majoritaire, la plus grande R&D du groupe en France. Deuxièmement, je pense qu'il est important de rappeler à tout le monde que l'acier fait partie de la chaîne de valeur actuelle de la fabrication automobile, de l'industrie, du transport, de l'emballage. Et l'acier est aussi la solution de demain dans la chaîne de valeur du changement climatique et de l'amélioration énergétique par le fait de fabriquer des éoliennes, des moteurs électriques, aussi des panneaux solaires et ainsi de suite. Donc l'acier est nécessaire à ce changement. Sur la partie décarbonation et ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a travaillé depuis 10 ans à trouver les solutions, quelles étaient les meilleures solutions pour le faire. On en a trois. La première, c'est de réutiliser, réinsérer toutes les ferrailles disponibles dans nos processus de production existants. Et c'est ce qu'on fait, mais c'est une fonction qui est limitée. Il faut qu'il y ait de la ferraille pour qu'elle soit recyclée, et donc c'est limité en termes de capacité. La deuxième, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Ministre, c'est changer dans nos processus de production le charbon, le retirer et le transformer et injecter de l'hydrogène dans des nouveaux réacteurs pour réduire directement le minerai de fer avec de l'hydrogène. Ça, c'est un changement profond, majeur, c'est une révolution industrielle, on a des processus ancestraux, on doit se transformer et jamais mis en œuvre à l'échelle où on voudrait le mettre en œuvre dans le projet de Dunkerque. La troisième solution, c'est de prendre en charge
au-delà de ce qu'on peut faire en décarbonation de nos processus industriels, de prendre en charge le résiduel de CO2 qu'on ne pourra pas transformer, et donc soit de le séquestrer, soit de le réutiliser, et pour lequel, à mon avis, il y a urgence à trouver des solutions dès que possible pour mettre en œuvre cette solution-là. Derrière, après, sommes-nous capables, avec cette solution-là, on va décarboner dans une première phase 40% de nos émissions, c'est-à-dire 8 millions de tonnes de moins émises par an à l'horizon de 2030, soit 10% des émissions actuelles de l'industrie hors énergie. Donc c'est un projet majeur, significatif, avec une réduction significative. Sur cette partie-là, la vraie question, c'est pouvons-nous accélérer ? Pouvons-nous aller plus loin ? Pouvons-nous faire plus vite ? Pour moi, en ce sens, la réponse est oui, les solutions existent, mais l'attention particulière qui doit être posée aujourd'hui, c'est de dire nous voulons garder une industrie en France, en Europe, que cette industrie soit compétitive au regard de l'augmentation croissante des importations en Europe, mais aussi au regard de ce que mettent en œuvre les autres pays pour conserver, voire croître en termes d'industrie, et notamment les États-Unis avec le système IRA qui vient d'être déposé, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Quelque part, c'est ça que nous voulons collectivement. Cette attention doit être portée à la compétitivité pour préserver une industrie nécessaire en France et en Europe. Les trois points majeurs sur lesquels on peut agir. Le premier point, pour moi, c'est la régulation. Au niveau de la Commission européenne, c'est d'améliorer sa régulation. Le premier point, c'est de se dire, dans cette amélioration de régulation, le système ETS doit laisser le temps aux industriels de se transformer et ou d'avoir une capacité à être traité de la même manière par rapport aux importations, d'où le système de mécanisme de carbone aux frontières. Deuxièmement, je pense qu'on doit aussi aller beaucoup plus vite dans l'autorisation des dossiers européens qu'on a soumis à des aides. Pour exemple, le projet de Dunkerque, on l'a soumis en novembre 2021, on est encore en train d'attendre la décision de la Commission européenne. Pour autant, on a un accord avec le gouvernement français et avec lequel on travaille de manière très étroite pour pouvoir mettre en œuvre ces projets-là. Et le troisième point, et je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la ferraille, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un système de régulation qui permette de faire en sorte que cette ferraille récupérée soit utilisée localement sur des circuits courts et non pas être exportée comme c'est le cas aujourd'hui. Plus de 20 millions de tonnes sont exportées en dehors de l'Europe et donc d'être consommées dans les EAF et dans les DRI, donc les systèmes de réduction dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, derrière, si on regarde, quelle est la nécessité pour nous ? Le deuxième point, c'est d'avoir de l'énergie décarbonée en quantité suffisante pour pouvoir transformer nos processus de production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va doubler notre besoin en énergie à mettre en place des fours électriques et des DRI, tel que je l'exprimais, mais on va aussi quadrupler notre besoin en électricité si on prend en compte le fait qu'on va injecter dans des DRI 100% d'hydrogène demain. Quadrupler. En ce sens, dans le modèle économique, il y a le volume, bien entendu, il y a le prix, bien entendu, et le troisième point qui est important, et je pense qu'il faut y porter une attention particulière, c'est la capacité à faire en sorte que RTE nous délivre en temps et heure des projets, et à ce jour, on sent que la vitesse n'est pas celle qui est souhaitée. Il est là, il vous écoute. La vitesse n'est pas celle qui est souhaitée. Mais je connais Xavier et on travaille de concert ensemble sur le sujet. Et le dernier point, si vous me le permettez, parce que je ne voudrais pas être trop long et laisser la place pour nos collègues, on a des projets de décarbonation, c'est clair, c'est des investissements lourds. On aura besoin d'aide, parce qu'on est les premiers, sur une échelle jamais connue dans le monde, de changer nos processus de production. On aura besoin, je pense aussi, d'être accompagné pour la deuxième phase, pour aller beaucoup plus vite et répliquer les solutions dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut clairement réguler le storage, enfin la séquestration de carbone, clairement axer ce point-là. Pour autant, la régulation sur la réutilisation de carbone doit être aussi améliorée. Et le dernier point, c'est réagir de manière appropriée à l'IRA,
qui est déposée au niveau des États-Unis, qui aujourd'hui inverse complètement au niveau de l'acier européen l'avantage concurrentiel qu'on avait à produire en Europe, y compris après décarbonation. Et dès qu'on met en place l'IRA, cet avantage tourne au profit des USA. C'est majeur sur ce sujet. Merci Eric, je pense qu'on y reviendra. Bruno, alors le ciment, c'est à peu près 14-15% des émissions. Si on rajoute l'ensemble des matériaux de construction, on n'est pas loin de 25. Hein. Donc là, il y a photo entre les trois. Et je le répète, vous êtes là tous les trois, surtout pour nous aider à trouver des solutions. Alors, vous, le sujet, c'est pas la chaleur fatale, mais c'est les émissions fatales. C'est absolument. Ça. Il n'y a pas absolument. De fatalité dans les émissions fatales, mais il va falloir faire quelque chose pour réduire ou capter les émissions qui restent une fois qu'on a changé les procédés. Absolument. À vous. Si vous me le permettez, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord commencer par des remerciements. À vous d'abord, Monsieur le Président de la République, bien sûr pour l'initiative de cette rencontre, mais aussi pour votre soutien à l'accélération de la décarbonation de l'industrie via France Relancière et France 2030 aujourd'hui. À votre ministre délégué de l'Industrie, Roland Lescure, avec qui nous avons préparé cette rencontre dans une démarche très constructive que vous avez rappelée tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Je m'exprime en tant que président de la filiale française de Heidelberg Materials, et ses cimenteries Ciment Calcia, mais aussi en tant que président du syndicat français de l'industrie cimentière, car nos enjeux sont naturellement communs. L'industrie cimentière, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, représente à elle seule 15% des émissions d'industrie en France. Notre secteur figure parmi les plus importants, mais aussi les plus difficiles à décarboner. Important parce que nous sommes une industrie de proximité, indispensable à l'aménagement des territoires qui participent à la souveraineté de la France en matériaux de construction. Difficile parce que si un tiers, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, un tiers de nos émissions est lié à la combustion, les deux tiers restants sont des émissions de process dites fatales, liées à la décarbonation du calcaire. En matière de décarbonation, nous ne partons pas de zéro. Notre filière est déjà bien engagée. Les émissions de l'industrie cimentière française ont diminué de 40% entre 1990 et 2015. Et en mai 2021, nous avons établi une feuille de route co-construite avec les pouvoirs publics qui prévoit une réduction des émissions de CO2 de 24% entre 2015 et 2030 et de 85% d'ici à 2050, en ligne avec la SNBC. Mon groupe, Heidelberg Materials, investit, comme vous le savez, massivement en France, plus de 450 millions d'euros, qui nous permettront de tenir en 2030 l'objectif encore plus ambitieux de 400 kg de CO2 par tonne de ciment. Ces investissements, qui concernent quatre de nos cimenteries les plus émissives, bénéficient du soutien décisif de France Relance et de l'ADEME. J'insiste car, au sein d'un grand groupe international présent partout dans le monde, il existe une concurrence féroce entre les filiales pour attirer les investissements. Ces investissements nous permettent de réduire notre empreinte carbone en substituant les énergies fossiles importées par des combustibles solides de récupération à forte composante biomasse issus de filières locales dans une logique d'économie circulaire. J'en viens à ce qui fait la spécificité, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, de l'industrie cimentière, les émissions de process. Pour les abattre, nous devons recourir aux technologies CCUS de rupture en matière de captation, de stockage et de valorisation du carbone. L'industrie cimentière est fortement capitalistique, avec des cycles d'investissement très longs, et c'est une industrie électro-intensive. Dans ce contexte, la réussite de la décarbonation de notre industrie nécessite de réunir quatre conditions. La première, c'est le soutien sans faille de l'État à travers France 2030 notamment, mais aussi en donnant aux industriels de la visibilité dans les évolutions réglementaires afin de permettre aux investisseurs de se positionner. La deuxième condition, c'est la mise en place effective et surtout efficiente d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne pour nous protéger des fuites de carbone. Nous sommes sur la bonne voie grâce notamment à l'action de la France. La troisième, c'est la constitution d'une véritable équipe de France CCUS qui rassemble tous les acteurs de la chaîne de valeur afin de rattraper le retard que nous avons sur les pays d'Europe du Nord. En matière de CCUS, nous avons trois besoins majeurs complémentaires. Premièrement, disposer de plusieurs hubs CO2 sur le territoire, notamment sur la façade atlantique, pour maintenir demain un maillage pertinent en sites industriels permettant de pérenniser une industrie de proximité dans les territoires. Deuxièmement, disposer des infrastructures nécessaires pour transporter le CO2 des sites éligibles au CCUS vers ces hubs. Et trois, de ne pas laisser de côté le CCU
que la Sunset Clause à 2035 condamne aujourd'hui. Donc le CCU, c'est l'utilisation du carbone, la transformation du carbone en e-méthanol aujourd'hui ou en e-kérosène. Et aujourd'hui, au niveau de l'Europe, il y a une Sunset Clause à 2035 qui fait qu'à 2035, ces émissions-là ne pourront plus être déduites, hein, ce qui remet en cause beaucoup des business cases. La quatrième condition, enfin, ça a été rappelé par M. Nizzella, c'est l'accès pérenne à une électricité abondante, décarbonée et compétitive. Mais pour bien préparer demain, il faut d'abord, c'est une évidence, gérer le court terme. Dans ce cadre, le soutien des acteurs industriels et notamment des électro-intensifs est aujourd'hui une absolue nécessité, au même titre que le soutien apporté par l'État aux ménages et aux PME. Voilà, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, le témoignage que je souhaitais apporter aujourd'hui en tant que représentant de l'industrie cimentière française. Merci pour votre attention. Merci, merci Luc. Merci Bruno, pardon, on passe à Luc maintenant. Luc Benoît-Catin, alors, quand on parle d'industrie et qu'on interroge les jeunes Françaises et Français sur ce que ça correspond dans leur imaginaire, ils nous disent l'industrie ça pollue, l'industrie ça paye pas, et l'industrie c'est pénible. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez, qu'est l'industrie par excellence, en général, 3 fois sur 4, ils nous disent ben, l'industrie chimique, bien sûr. Donc dites-nous en quoi d'abord ça paye et éventuellement c'est moins pénible que ça a été, mais surtout en quoi l'industrie chimique, qui elle aussi représente à peu près 25% des émissions de l'industrie, peut nous aider dans ce grand défi de la décarbonation. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, pour répondre à la question, je vais être très rapide sur la première question, c'est que c'est une industrie high-tech qui a très forte valeur ajoutée et qui permet d'avoir des très beaux parcours et qui dure dans le temps. Donc effectivement, ça demande à la fois des compétences, mais ça donne aussi, ça ouvre aussi sur des parcours valorisants et qui sont en résonance, en fait, avec les grands enjeux sociétaux, et la décarbonation de l'industrie en est un. Donc ça fait bien le lien avec notre sujet. Et je dirais, en tant que président de la filière chimie-matériaux, je voudrais d'abord insister sur le fait qu'elle est très engagée dans la décarbonation de ses sites industriels, cette filière, puisqu'elle a déjà réalisé 65% de baisse des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Donc ça, c'est un premier point important. Deuxièmement, nous sommes engagés sur une trajectoire en 2021, qui a été publiée en 2021, et qui a fixé pour cible de baisser ses émissions avec une nouvelle étape par 27%, en partant des 24 millions de tonnes de 2015. Et ce qui est important, c'est que nous l'avons fait avec les entreprises, et nous nous engageons dans cette voie, avec deux leviers essentiels, qui sont d'une part la décarbonation de la chaleur, et d'autre part l'efficacité énergétique. Et donc, grâce finalement aux appels à projets récents, nous avons pu voir une accélération de ces projets dans l'ensemble de la filière, avec plus de 100 projets sur l'ensemble du territoire. C'est donc un chiffre très significatif. Et pour donner quelques illustrations, nous avons par exemple, en matière de décarbonation de la chaleur, des investissements en chaudière biomasse de Solvay à Saint-Fons ou de Kaya Paper à l'Aveyron. Et pour l'efficacité énergétique, généralement, ça passe un peu comme les précédents orateurs, par des ruptures de procédés ou des innovations technologiques. Et donc, comme illustration, par exemple, on peut parler de la modernisation annoncée d'électrolyse de Kémoine à Fos, ou par exemple du changement de technologie de la distillation de Carlin pour Arkema. Donc ces différents projets sont soutenus par les pouvoirs publics et permettent d'aboutir à des économies substantielles de CO2. Alors, la question, c'est comment aller plus loin ? Alors, aller plus loin, nous y avons réfléchi, et quand on regarde le sujet, en réalité, on voit que 50% des émissions de la filière reposent sur une quinzaine de très gros sites industriels, et donc qui sont pour l'essentiel présents aujourd'hui, et que ces sites ont une plus grande complexité de décarbonation. Et ça passe en fait par trois grands leviers, hein, trois grandes ruptures technologiques. La première, à l'instar des précédents orateurs, c'est bien sûr la capture et la séquestration du CO2. Le deuxième important levier, c'est l'hydrogène bas carbone, hein, par électrolyse. Et le troisième, c'est l'électrification des procédés. Alors quand on regarde les choses, la filière s'est déjà organisée pour commencer à bouger dans cette direction. Et j'en veux pour preuve, par exemple, un des projets très importants qui est en cours d'étude sur l'axe Seine et qui associe à la fois
la filière engrais et la filière pétrochimique, hein, avec Yara, Borealis, Total Energy, ExxonMobil et l'Air Liquide. Et il faut savoir qu'à lui seul, ce projet représente 3 millions de tonnes, finalement 3 millions de tonnes de CO2 évitées quand il sera matérialisé. Alors je dirais, au-delà de ça, quand on regarde la vision globale et qu'on additionne donc ces projets de rupture avec ce qui a été initié en décarbonation de la chaleur et en optimisation énergétique, on considère qu'on va réussir à capter un potentiel de 9 millions de tonnes d'ici 2030, si bien que nous avons décidé de rehausser notre ambition en matière de trajectoire en fixant maintenant une cible de moins 37% contre moins 27% à l'horizon 2030 par rapport à la référence de 2015. Ayant dit cela, je pense qu'il faut aussi dire que c'est une cible ambitieuse et que, bien sûr, nous avons besoin dans la durée du soutien des pouvoirs publics pour la mener à bien. D'abord, parce que vous le savez, la dynamique d'investissement, il faut absolument l'entretenir, alors qu'on est aujourd'hui dans une phase économique avec plus d'inflation et une croissance plus modeste. Ensuite, parce que derrière ces chiffres d'amélioration très significative, il y a en réalité, je dirais, des éléments très dimensionnants qui relèvent de la planification et de la coordination sous l'égide des pouvoirs publics. Je dirais, il y en a essentiellement trois. Le premier, c'est évidemment d'avoir accès à une électricité compétitive et décarbonée. Donc rien que pour la filière chimie et matériaux, il faut 7 TWh de plus. Aujourd'hui, on consomme 20 TWh d'électricité. Et il faut en rajouter 7 d'ici 2030. Donc il faut d'abord une substantielle augmentation des capacités de production, puisqu'on n'est pas le seul secteur concerné. Et puis par ailleurs, l'enjeu, c'est d'avoir une électricité compétitive. Et on sait que là, il faut absolument changer le modèle de marché de l'électricité européen, qui est volatile, corrélé au gaz. Et c'est important pour les industriels, s'ils veulent investir, d'avoir une visibilité de long terme sur les prix de l'électricité. Donc ça, c'est cardinal et c'est le point numéro un. Le deuxième point, c'est que si on veut continuer à décarboner la chaleur, il faut assurer la disponibilité de la biomasse, bois, bois déchets. Donc là, on a besoin de 3 millions de mètres cubes. Et puis également de combustibles solides de récupération autour d'un million de tonnes par an. Voilà, donc ça c'est un deuxième sujet, il faut avoir la capacité d'accéder à cette disponibilité. Et enfin le troisième sujet d'importance, c'est bien évidemment tout ce qui touche au développement des infrastructures, à la fois pour l'accès au réseau électrique, pour finalement la production et le transport d'hydrogène, et enfin pour la capture et le stockage de CO2. Donc c'est ces trois conditions qui sont essentielles pour la filière matériaux si on veut matérialiser cette ambition de moins 37% en émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2030. Alors pour conclure, je voudrais également rappeler qu'indépendamment de la trajectoire de décarbonation que j'ai évoquée, la chimie est un atout essentiel pour la décarbonation de l'économie dans son ensemble. Tout d'abord, on le sait tous, les innovations de la chimie comptent beaucoup pour réussir le développement d'une offre européenne de batteries, par exemple. C'est une illustration assez emblématique, mais je pense important de le souligner. Ensuite, je voudrais dire aussi qu'il y a des initiatives à la fois sur les produits biosourcés et sur le recyclage des plastiques qui sont deux thématiques qui ont trouvé une importance particulière et qui ont conduit, par exemple, à des promesses d'investissement très importantes de l'ordre de 2 milliards d'euros, à la fois à travers le plan de relance et puis les initiatives de Choose France. Voilà en substance ce que je voulais partager, Monsieur le Président de la République. Merci à tous les trois. On n'est pas une réunion des émetteurs anonymes, mais je pense qu'on peut vous applaudir quand même. Merci. Merci à tous les trois. On a entendu quelques mots-clés qui sont évidemment essentiels. L'hydrogène, la captation des émissions fatales, la biomasse, un besoin d'électricité en quantité décarbonée avec des prix défiant toute concurrence. On va passer à des représentants des solutions maintenant, mesdames et messieurs. Donc Sylvie Géhanneau, Florence Lambert et Patrice Verriette. Je vous propose de venir me rejoindre dans l'ordre que vous souhaitez. Il n'y a pas de plan de table. Allez, Sylvie, à mes côtés. Et vous remercier. Ah non, enfin, je vais prendre celui-là, sinon on va avoir les micros musicaux, il en manquera un.
Merci à tous les trois d'être là. C'est peut-être pas tout à fait un hasard. Moi, je veux y voir plutôt un symbole que quand on parle de solutions pour décarboner l'industrie, on est deux femmes sur scène. Donc, bienvenue, mesdames. On a besoin, c'est un des défis, de féminiser l'industrie française. Bruno Le Maire en parle régulièrement dans ses interventions. Ça fait partie des défis majeurs, ne serait-ce que pour aujourd'hui faire face aux défis de recrutement. On a 70 000 postes ouverts dans l'industrie. Et ça serait quand même dommage de se priver de la moitié de la main-d'œuvre. Et puis surtout, évidemment, besoin de diversifier la manœuvre, besoin de donner plus de perspectives à tous et à toutes et de moderniser un peu notre industrie. Elle l'est déjà, on l'a vu, mais on peut sans doute aller plus loin. Alors, Madame Jeannot, vous êtes PDG de Dalkia, mais vous êtes surtout parmi nous parce que vous présidez le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique. Donc, je le disais, vous faites partie des solutions. Et donc, quelles solutions vous pouvez apporter à nos trois intervenants précédents ? Écoutez, bonjour, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs. Oui, merci effectivement pour cette belle invitation et c'est un honneur pour moi de représenter ces offreurs de solutions, ces industriels de la décarbonation de l'industrie à travers le comité de filière qui s'appelle les nouveaux systèmes énergétiques. Alors, on a eu des exemples éloquents juste avant et je crois qu'il faut déjà retenir deux choses, c'est que pour décarboner l'industrie, il faut décarboner à la fois les process et les systèmes énergétiques. Et il y a deux enjeux majeurs qui ressortent, me semble-t-il. C'est le premier, on a entendu beaucoup, beaucoup parler de chaleur, et ce n'est pas par hasard. Et le deuxième, il faut quand même consommer le moins possible et travailler l'efficacité énergétique, la sobriété, la chasse au gaspillage. Alors, je vais revenir un peu sur la chaleur, hein, qui était un petit peu illustrée également par M. Benoît Catin. Comment on décarbone de la chaleur ? Alors, la chaleur, c'est une consommation importante. C'est 270 TWh hein, sur la consommation énergétique de l'industrie. C'est beaucoup. Et 60% de cette production de chaleur se fait à partir d'énergie fossile. Alors, pour décarboner, premier sujet, ça a été dit juste à l'instant, le bois énergie, la biomasse. Et on a un actif magnifique en France, une forêt en croissance, toujours en croissance, qu'il faut défendre au niveau de l'Europe, cette énergie renouvelable, avec une production et une exploitation durable des forêts. La forêt, alors on nous dit souvent, oulala, le bois énergie. Il faut avoir en tête que le bois énergie, ça n'utilise que la partie des arbres qui n'est pas utilisée pour le reste, c'est-à-dire les meubles, la construction, le papier, etc. Donc c'est une forme de sous-produit de l'exploitation forestière. Donc quand on fait du bois énergie, on fait aussi en quelque sorte du bien à la forêt. On est dans un cycle vertueux avec une partie de l'arbre qui va toujours stocker du CO2 et une partie qui va faire de l'énergie. Le bois énergie. Deuxième sujet, on a aussi évoqué juste à l'instant, hein, je reprends, la récupération des chaleurs dites fatales. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est que quand on chauffe, on fait de la chaleur sur ces 260 TWh, ben, il y en a plus de 30% qui, au fond, va produire une chaleur qui se perd, qui sort dans le ciel et qui s'évapore. Et cette chaleur, ben, on sait la récupérer. On sait récupérer cette chaleur fatale. On récupère cette chaleur sur des fours, sur des hauts fourneaux, sur des fonderies d'aluminium, etc. On récupère cette chaleur, on l'injecte dans des réseaux urbains et on fait du chauffage urbain renouvelable et on va chauffer des logements et du bâtiment. Troisième point, là encore, ça a été dit, l'électrification, sujet majeur hein, de cette décarbonation de la chaleur, parce qu'on a un autre actif en France qui est magnifique, au-delà de la forêt, on a une électricité bas carbone, nucléaire plus renouvelable, on l'a en tête, il faut produire plus, et on va aller décarboner à la fois les process et les systèmes énergétiques. Je vais citer peut-être quelque chose qui n'a pas été cité, la pompe à chaleur haute température. On a cité les combustibles, on peut citer également les technologies de four innovantes, et puis évidemment toute la production d'hydrogène qui arrivera également pour décarboner cette chaleur. Dernier point, on a un pool aussi hein, de solutions autour des combustibles solides de récupération, autour du biogaz, ça a également été évoqué, autour de la géothermie également qui peut être utilisée pour décarboner de la chaleur, autant d'innovations que nous travaillons. Deuxième enjeu, le consommer moins. La sobriété, la chasse au gaspillage, économiser l'énergie, faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire produire autant en consommant moins. Alors, moi, j'ai envie de parler du numérique qui est un allié pour faire de l'efficacité énergétique. On pense qu'en posant des systèmes de pilotage, en mettant de l'intelligence artificielle, on peut aller chercher 10 à 20%. Puis au-delà, évidemment, il faut réinvestir dans des matériels qui sont plus efficaces.
Voilà. Pour conclure ces deux volets, hein, le chaleur bas carbone et le consommer moins, on a parlé de stockage de CO2. Là aussi, c'est des choses qu'on regarde. C'est pour le CO2 résiduel, hein, qu'on irait chercher, avec éventuellement de la réutilisation, de la revalorisation du CO2, qu'on peut coupler, là encore, à de l'hydrogène pour faire des produits. Je n'y reviens pas, ça a été illustré. Quelques mots peut-être sur la filière, pour continuer à parler de ces solutions. Donc la filière des nouveaux systèmes énergétiques, ce sont des industriels des grands groupes, c'est également plein d'ETI, c'est plein de PME-PMI et c'est également des start-up. Alors moi je voudrais dire que le comité de filière s'attache à faire grandir ces industriels, à construire des champions français compétitifs de la décarbonation de l'industrie, et j'ai envie, puisqu'il y a beaucoup d'industriels dans la salle, de vous demander, à chaque fois que vous faites des projets, d'être attentif à ce que j'appelle moi le contenu local, c'est-à-dire la partie made in France, des projets que vous allez acheter et des solutions que vous allez acheter. Alors c'est la raison pour laquelle le comité stratégique de filière a lancé une plateforme qui s'appelle Je décarbone. Alors la plateforme, c'est un hub de la décarbonation qui met en relation des offreurs de solutions, qui met également aussi en relation, enfin qui exprime des besoins, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs arrivent sur la plateforme et mettent des besoins. C'est une plateforme que nous avons construite en relation avec le ministère de l'économie, des finances, la souveraineté industrielle et numérique, avec évidemment le ministère de la transition écologique, également avec le SGPI, avec le CEA. Donc c'est une plateforme qui a été construite de façon très collective et qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 1000 acteurs qui sont présents d'ores et déjà sur une plateforme qui a été lancée début septembre, avec 400 solutions qui proviennent de 250 entreprises implantées en France. Donc voilà, si vous n'êtes pas sur Je décarbone, je vous invite à y aller jeter un œil. Et puis pour conclure, peut-être deux facteurs clés de succès de cette décarbonation de l'industrie, en synthèse de ce qui a été exprimé. Premièrement, l'adaptation, je dirais un peu en temps réel, des financements, de l'accompagnement financier des projets de décarbonation que nous allons construire. Alors, France Relance a été un vrai accélérateur de ces projets de décarbonation de l'industrie à travers le fonds chaleur qui est géré par l'ADEME. Arrivent évidemment tous les projets de France 2030. Je voudrais aussi signaler les fonds européens qui sont structurants. Et pour terminer vraiment, je voudrais dire qu'on ne réussira pas cette transition énergétique, cette décarbonation de l'industrie sans les compétences. Et on aura besoin de beaucoup de compétences, avec des jeunes filles, je l'espère, monsieur le ministre. Et donc, j'ai envie de dire en tous les cas à tous les jeunes qui ont soif de transition énergétique, qui ont soif de décarbonation, de lutte contre le changement climatique, de s'intéresser à ces métiers dès le plus jeune âge. C'est quoi faire partie de cette transition énergétique? C'est quel métier? Scientifique, technique, industriel? Donc venez rejoindre ces métiers et sachez que le comité stratégique de filière va beaucoup travailler sur cette attractivité des métiers. Merci. Merci Madame la Présidente. J'espère que vous êtes tous et toutes sur jedécarbone.fr. Moi j'appelle ça le Tinder de la décarbonation. C'est extrêmement efficace et au fond c'est tout aussi sympathique. Madame Lambert, Florence Lambert, vous présidez une start-up. Donc, vous participez à l'écosystème dont on parlait il y a une seconde et vous allez nous aider à produire de l'hydrogène dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent. Donc, alors, comment on produit de l'hydrogène et comment vous nous y aidez? À vous. Très bien. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs. Alors oui, je vais moi vous parler de la solution de l'hydrogène décarboné qui va être aussi indispensable à cette décarbonation de l'industrie, donc en complément de tout ce qu'on voit. Et je pense que de dire que c'est en complément, c'est très très important. Je pense qu'il ne faut vraiment pas aujourd'hui opposer les technologies. Alors l'hydrogène décarboné, c'est quoi? En fait, on va remplacer l'hydrogène issu du vaporéformage dans les process industriels. On va parfois substituer, ça a été évoqué tout à l'heure, le méthane en utilisant l'hydrogène directement. C'est le cas des fours à Bloom dans l'acier. Et puis on va combiner le CO2 ultime qui est produit et pouvoir le valoriser en carburant de synthèse, notamment pour l'aviation. Donc c'est un peu toute la promesse de ces sujets autour de l'hydrogène. Mais je suis convaincue qu'il faut absolument accélérer aujourd'hui. En fait, je pense qu'il faut accélérer sur les infrastructures. Je pense que face à nous, face à ces industries, il y a vraiment une transition qui est très très importante et il faut vraiment les aider. Alors,
Le point d'arrivée, on peut l'imaginer, hein, on va vers des hubs qui vont regrouper, qui vont être le trait d'union entre l'industrie, l'énergie, mais aussi la mobilité hydrogène. Et donc ça va durablement changer le paysage industriel. Et il faut vraiment aider toutes ces industries pour cela. C'est là où justement le monde de l'industrie rencontre celui de l'énergie, où probablement nous aurons au pied de ces hubs des réacteurs nucléaires. Et là, je pense que c'est le moment de synchroniser un peu toutes ces stratégies. Alors, tout ça s'est rendu possible grâce à la stratégie française qui mise aujourd'hui sur cette mise à l'échelle de l'électrolyse. Et c'est là où je vais vous parler aujourd'hui de Genvia, alors qui n'est peut-être plus tout à fait une start-up puisqu'on n'est pas loin de 100 personnes, et qui est en tout cas une structure atypique, hein, publique-privée, qui prend une technologie issue du laboratoire du CEA, qui présente beaucoup d'avantages en matière de rendement, avec notamment des promesses en matière de couplage énergétique. Et autour de Genvia, nous avons des anges gardiens, des actionnaires, alors deux actionnaires majoritaires, le CEA et le groupe Schlumberger. Mariage atypique, hein, de la recherche française, mais aussi de l'ingénierie internationale, et qui choisit de se diversifier en France. Donc ça, je pense que c'est un point important. Mais aussi des racines en région Occitanie qui sont importantes pour nous avec Laris. Et puis deux actionnaires qui représentent les applications. Donc Vika, je sais que Guy Cédo, c'est là, et aussi le groupe Vinci. Alors, c'est aussi un grand merci que je veux dire parce qu'au travers de France 2030, donc on peut complètement s'inscrire dans ce dérisquage de technologie, dans sa mise à l'échelle. Donc jusqu'à 2027, on reçoit 200 millions d'euros. Donc ils vont nous aider à non seulement compléter le développement de la technologie, mais aussi à lancer la ligne pilote qui va être complètement digitalisée, qui aujourd'hui se lance dans quelques jours. Alors, dans ce bâtiment où vous nous avez fait l'honneur, Monsieur le Président, de venir l'inaugurer il y a bientôt un an. Et c'est cette ligne pilote qui sera généralisée au travers des gigafactories. Alors, j'ai un troisième point qui, pour moi, est important. Je crois qu'il faut aussi vraiment avoir conscience que nous sommes tous engagés dans une bataille internationale. Et pour moi, la compétitivité long terme de ces industries est importante. Alors, il y a ce passage de mise à l'échelle qui va garantir un premier step, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut vraiment accrocher toutes ces initiatives industrielles à de l'innovation. Alors, Genvia l'est par nature, donc ça c'est évident. Et je vais reprendre peut-être encore, au-delà du costume d'entrepreneur, un petit peu ma casquette de chercheur et d'académicienne. Et je pense qu'il faut vraiment accrocher cette innovation sur l'ensemble des sujets industriels qu'on met en place aujourd'hui pour faire en sorte qu'on ait une compétitivité long terme. Et c'est sur cette différenciation qu'on gagnera. Elle sera autant sur le design des électrolyseurs qu'on produit aujourd'hui que sur les procédés industriels qui vont nous aider à produire tout ça à des coûts compétitifs. Alors pour conclure, donc cette intervention qui est rapide, je voulais peut-être juste apporter un témoignage en fait, parce que souvent on dit que des choses ne vont pas bien, et moi je ne le crois pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui la France est au rendez-vous du défi de l'hydrogène, avec un plan qui est équilibré, avec à la fois des déploiements, avec à la fois ce portage industriel dont je témoigne, mais aussi une connexion avec l'innovation. Et je pense que nous avons aujourd'hui tous les ingrédients pour être vraiment cette nation qui va porter les premiers hubs hydrogène, vraiment à même à décarboner cette industrie. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lambert, donc PDG de Genvia, qui est effectivement plus tout à fait une start-up, mais bien une jeune entreprise en devenir et qui croit très vite. Monsieur le maire, cher Patrice, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, on a eu l'occasion ensemble d'inaugurer la Fabulous Factory il y a quoi, 4 semaines de ça à Dunkerque. Donc d'abord, bravo pour cette initiative qui permet d'attirer des jeunes hommes et des jeunes filles vers l'industrie, de la mettre au cœur de la ville et de donner envie d'industrie. Alors je pense qu'à Dunkerque et dans les environs, il y a 6 des 50 sites dont on parle aujourd'hui. Donc d'abord, au moins, merci de votre contribution aux émissions françaises. Mais il y a aussi, beaucoup de projets pilotes. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous entendre, qui vise à expérimenter la décarbonation sur le terrain avec l'appui des élus, l'appui des centres de recherche, des universités. Donc voilà, Patrice, monsieur le maire, à vous. Monsieur le président de la République, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les acteurs industriels et les élus, mesdames et messieurs, après les industriels et les témoignages d'espoir technologique, merci de donner la parole à travers ma voix
aux élus des territoires industriels pour livrer aussi notre ressenti sur l'enjeu qui est devant nous et peut-être plus encore le ressenti de nos populations. Pour nos populations, en fait, il y a 30 ans, la France a abandonné son industrie. Elle a renoncé à investir dans les filières émergentes. Elle a abandonné des pans entiers de souveraineté dans des biens essentiels. Je pense en particulier à la crise sanitaire qui a révélé à quel point nous ne produisions plus de masques, plus de paracétamol. Et cet abandon, je pense, explique en grande partie pourquoi, à un moment donné, nous avons eu sans doute un retard vers un développement responsable et co-responsable. Et sans doute, on ne progresse pas finalement dans l'abandon, on ne progresse que dans la conquête. Il y a 30 ans aussi, le sentiment qu'on a dans les bassins industriels, au niveau des populations, au niveau des élus, c'est que la France a aussi abandonné ses bassins industriels. À la multitude des plans sociaux qu'on a vécus, à la baisse démographique qu'on a vécue, se sont ajoutées des injustices. Savez-vous, par exemple, que les villes industrielles ont été les principales victimes des réformes du financement des collectivités? Et que dire des désillusions en matière d'aménagement du territoire? À Dunkerque, par exemple, l'agglomération la plus touchée par les cancers de l'amiante liés à l'activité professionnelle, il aura fallu 10 ans pour avoir un TEPSCAN, un outil qui est indispensable au diagnostic de ces maladies. Tout ça a généré un énorme sentiment d'injustice dans nos populations. Monsieur le Président, au regard de votre premier quinquennat, j'ai vraiment eu le sentiment que vous vouliez réparer cette erreur historique. Une erreur sociale, une erreur économique, une erreur environnementale et sans doute aussi une erreur politique. Pour réussir, vu du terrain, avec le regard d'un maire dans un grand bassin industriel, 4 orientations me semblent nécessaires. D'abord, miser sur l'avenir. Ça a été dit par les industriels. L'industrie qu'on doit développer aujourd'hui, c'est celle qui sera compétitive dans les 20 ou 30 prochaines années. Donc c'est là l'industrie décarbonée et plus respectueuse de l'environnement. Il faut investir massivement dans la transformation des process industriels, ça a été dit. Il faut aussi accompagner les industries qui émergeront, tout simplement parce qu'il faudra adapter notre société à la crise climatique et environnementale en les soutenant probablement du côté de l'offre et en même temps du côté de la demande. Et je suis convaincu aujourd'hui que c'est à travers cet accompagnement de l'industrie qu'on arrivera à redonner l'espoir sur nos territoires, loin des lubies mortifères de la décroissance, auxquelles nous ne croyons pas. Il faut ensuite que notre nation reconnaisse à nouveau, ait à nouveau une reconnaissance envers ses bassins industriels et les populations qui y vivent. Quand on habite à côté d'une centrale nucléaire et d'un parc éolien, payer le même tarif de l'électricité que celui qui le refuse à l'autre bout de la France est considéré par les habitants comme une injustice. C'est peut-être juridiquement correct, c'est peut-être économiquement correct, c'est politiquement injuste. Et je pense que ce dont nous avons besoin sur les territoires industriels, ce n'est pas d'un droit de veto des maires sur les projets. Nous n'en avons pas besoin. Ce que nous voulons, c'est plus de justice territoriale et de reconnaissance peut-être d'un statut à part de bassin industriel. Troisièmement, parce que nous sommes dans une France qui n'est plus gaullienne, parce que la décentralisation est passée par là, je pense qu'il faut abandonner, en tout cas nuancer, le jacobinisme industriel. Les collectivités locales seront demain des éléments clés pour la compétitivité des clusters industriels, et on le voit très bien à Dunkerque. Les collectivités locales, vous les retrouverez quand il s'agira de produire de la chaleur décarbonée à travers les réseaux de chaleur. Vous les retrouverez quand il s'agira d'alimenter nos usines en eau industrielle, et cet enjeu va devenir majeur dans les années qui viennent. Vous les retrouverez quand il s'agira d'investir dans l'immobilier d'entreprise, ce que nous faisons actuellement avec Vercors, ce sont des collectivités qui se mobilisent. Vous les retrouverez quand il faudra produire les logements neutres en carbone, assurer la mobilité, décarboner
Les collectivités, vous les retrouverez à chaque fois, elles seront en première ligne. Et donc je pense nécessaire que par bassin, nous puissions faire un pacte entre l'État et les collectivités, un pacte sur mesure, adapté à chaque bassin industriel, un pacte qui abordera toutes les questions, de la question du financement, bien sûr, mais jusqu'à la question de la consommation foncière, qui n'est pas une petite question. Enfin, il faudra embarquer nos populations dans cette grande ambition nationale. Car la reconquête industrielle du XXIe siècle ne se fera valablement que si notre société accepte la transition, que si notre société change de regard sur ce secteur économique qu'est l'industrie, sur ses métiers, sur sa formidable capacité à innover. Il faut que tout à chacun, il faudra montrer que tout à chacun pourra y gagner en termes d'accès à l'emploi, en termes de pouvoir d'achat, en termes de qualité de vie, et que nos jeunes pourront demain y trouver des formations intéressantes. Et ce pari-là, comme le disait Sylvie, il n'est pas encore complètement gagné dans nos populations, chez nos jeunes et dans leurs familles. Monsieur le Président, si, comme je le crois, ou j'en suis sûr, vous souhaitez mettre le développement écologique au cœur du pacte national, je suis certain que la plupart des maires des territoires industriels sauront y apporter une contribution. Merci à vous. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On peut vous applaudir aussi. Bien, Madame et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. D'abord, merci beaucoup pour les échanges qui viennent de se tenir et qui, je crois, ont permis d'éclairer beaucoup à la fois des difficultés, mais également des pistes. Et je veux dire ici que pour moi, cette réunion est une réunion qui vise à faire le choix de l'avenir, ça a été dit à l'instant, et à le faire ensemble. Parce que je serais quand même paradoxal de venir ici vous expliquer que la solution pour le climat, ce serait de faire l'inverse de ce qu'on a fait en matière économique ou industrielle durant les dernières années. Je crois à une cohérence, il faut simplement la tenir, et la difficulté qu'ont nos sociétés, c'est qu'au fond, le cadre de référence nouveau n'est pas installé. Et que nous sommes face à des injonctions qui sont bien souvent irréconciliables. Réduire très vite nos émissions, ce qui est une injonction légitime, un devoir et des engagements que nous avons pris. Continuer à avoir un modèle social généreux, l'un des plus généreux du monde, c'est là aussi légitime, c'est notre force, nous voulons le faire. Créer des emplois, avoir une industrie forte, et le faire en étant conscient que nous ne sommes pas une île. Et que nous vivons face à une compétition internationale, un vrai défi. Donc pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de rebâtir avec vous, sur la base de ce qui a été dit, mais de ce que aussi vous faites dans votre quotidien, mais de le faire à l'échelle de la nation, ce cadre de référence qui nous permet de construire l'avenir ensemble, et de le faire dans toutes les filières. Et le monde de l'industrie est ici présent, mais les filières agroalimentaires, agricoles, beaucoup de métiers qui sont impliqués, qui sont très présent et lié, comme la chimie l'est aussi, au sujet que nous évoquons, vivent cela au quotidien. Et donc, moi, ce que je veux, c'est dire très simplement qu'il y a un modèle français de réussite, que nous avons un avenir si nous savons tenir ensemble trois grands objectifs. Le climat, l'industrialisation et la souveraineté. Et que ces trois-là sont d'ailleurs le fruit de notre histoire, de ce que nous avons appris ces derniers mois et de ce qui doit dessiner notre cap à venir. Le climat, nous connaissons les chiffres. Je n'y reviens pas, vous les avez dit, ils sont donnés. Nous avons pris des engagements internationaux. Et même si nous ne représentons qu'un centième de l'impact, le devoir des États les plus développés, c'est de tenir leur objectif.
d'avoir les financements de solidarité qui permettent aux émergents de les tenir et d'avoir un chemin, le futur possible pour la planète. Nos objectifs, nous les avons déclinés en européen avec une stratégie qui est claire. Un rendez-vous en 2030 avec le moins 55%, un rendez-vous, la neutralité carbone 2050. Et nous avons une crédibilité parce que ces 5 dernières années, nous avons été 2 fois plus vite que ce qu'on avait fait les 5 années d'avant, que nous, en Européens, durant les 40 années qui viennent de s'écouler, on a réduit d'environ 35% nos émissions, là où les Américains, par exemple, ont fait moins 7%. Donc on ne part pas de rien, on a déjà un taux d'effort embarqué qui est là, et nous sommes un espace, l'Europe et la France en particulier, crédible. Maintenant, il nous faut, pour tenir ces engagements sur le climat, dans les 5 années qui viennent, faire 2 fois mieux en termes de ce qu'on appelle l'atténuation et donc de la réduction de nos émissions. Ça, c'est le premier de nos objectifs. Il est indispensable pour avoir justement un futur possible pour nous-mêmes et pour la planète. Notre deuxième objectif, c'est l'industrialisation. Pourquoi ? Ça a été très bien rappelé en évoquant le passé. Parce qu'il n'y a pas d'investissement sur le climat possible. Il n'y a pas d'investissement dans le modèle social qui est le nôtre et dans l'unité de la nation s'il n'y a pas de création de richesses et d'emplois dans le pays. Et que ceux qui expliquent le contraire en fassent la démonstration. Ce n'est pas vrai. Et donc, quand on nous explique que la solution au premier objectif, le climat, ce serait de désindustrialiser ou de réduire nos objectifs ou de caper, c'est simple. Dans ces cas-là, ils font un choix, qui est un choix contre le modèle social. Parce qu'on va produire moins, ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir les mêmes investissements sur l'école, sur la santé, sur ce qui fait la solidarité de la nation. Donc, nous avons besoin de plus d'industrialisation. Là, ça a été rappelé à l'instant par Monsieur le Président de la métropole de Mer de Dunkerque dans des termes très clairs et qui ont touché dans sa chair son territoire et une région qui m'est tout aussi chère qu'à lui, et c'est vrai. Mais je pense que nous avons commencé à profondément changer les choses. Et ces dernières années, nous avons mis fin à plus de 12 ans de désindustrialisation, tous ensemble, sur le territoire français. Alors ça a été le fruit de réformes, de choix d'attractivité, de choix aussi collectifs de réindustrialisation que vous avez portés, et qui, parce qu'on a réduit les impôts sur les sociétés, les impôts la flat tax, parce qu'on va continuer de le faire avec les impôts de production dans les années à venir, parce qu'on a mis en place des réformes sur les freins à l'emploi avec les ordonnances travail, mais aussi la réforme de l'apprentissage, parce que nous avons simplifié la vie des entreprises avec plusieurs textes différents qui ont été portés par ministres et parlementaires présents dans cette salle, parce qu'on a aussi accompagné en termes d'investissement, ça a été rappelé, mais France Relance, c'est 35 milliards d'euros pour l'industrie, au moment où les chocs étaient là, et qu'on a eu aussi une politique et d'attractivité, de soutien à la recherche fondamentale appliquée et à l'innovation qui nous a permis ces 3 dernières années d'être le pays créant le plus de start-up, levant les plus gros tickets et étant numéro 1 en termes d'attractivité malgré la crise. Eh bien, nous avons pu, là où la désindustrialisation française avait détruit 50 000 emplois chaque année depuis 20 ans, mettre fin à cela, recréer des emplois dans l'industrie. On a recréé 50 000 emplois dans l'industrie ces dernières années. Nous avons pu recréer des sites productifs, relocaliser de la production, du paracétamol au botte aigle, pour en citer qu'un exemple, et maintenir cette attractivité et cette création d'emplois. Donc, deuxième objectif, on doit continuer de tenir notre cap sur l'industrialisation parce qu'on veut aller vers le plein emploi où la France n'est pas encore. On a baissé 2 points le taux de chômage, mais on doit aller au moins à 5%. Ça passera par l'industrie parce que l'industrie tire les autres secteurs. Et on le sait bien, dans les emplois induits, et qu'une société qui est une société 100% de services n'existe pas. Bon. Donc on a besoin de continuer à le faire en ayant une stratégie complète, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, à l'innovation, jusqu'à l'accompagnement industriel dans tous les secteurs. Ça, c'est le deuxième cap que nous continuerons d'avoir, et il est indispensable. Le troisième, c'est celui de la souveraineté. Et je le dis ici aussi parce que nous l'avons vécu au moment de la crise sanitaire, nous l'avons revécu en sortie de crise Covid sur des sujets comme les semi-conducteurs ou d'autres. Nous le revivons aujourd'hui avec les conséquences de la guerre sur l'énergie ou l'alimentation. On ne sera jamais une nation autarcique ou un continent autarcique. C'est impossible et c'est d'ailleurs pas un rêve souhaitable. Par contre, nous avons
accepter trop de dépendance et de dépendance exclusive. Et donc, ce que nous avons fait depuis maintenant quelques années, c'est réassumer une analyse par chaîne de valeur de notre souveraineté et essayer soit de diversifier au maximum nos dépendances quand elles sont impossibles à justement de, quand il est impossible de trouver une réponse complète sur certaines terres rares, matériaux rares ou éléments premiers, mais également à relocaliser des parties de chaîne de valeur critiques, avoir une stratégie européenne de production souveraine, ce qu'on a par exemple fait sur les batteries ou sur les semi-conducteurs et qu'on va continuer de développer, ce qu'on a voulu faire sur l'hydrogène, ne pas répliquer en quelque sorte les erreurs du passé, où en essayant d'atteindre le premier objectif, mais en oubliant le deuxième et le troisième, on a eu des stratégies de déploiement de renouvelables qui ont fortement créé de la dépendance à l'égard d'industriels chinois ou autres. Et la souveraineté, nous en avons besoin parce que nous sommes revenus dans un monde sans doute plus géopolitique que géoéconomique, et donc où il continuera à y avoir des chocs profonds qui peuvent déstabiliser les chaînes de valeur, où il peut y avoir des re-régionalisations des plaques de production, et si nous voulons garder de la sécurité d'approvisionnement, d'une part, et d'autre part, garder une certaine maîtrise sur à la fois nos chaînes de valeur, nos compétitivités et nos coûts, on a besoin d'avoir une approche en termes de souveraineté à l'échelle de notre Europe et de savoir, en quelque sorte, réduire les risques qui vont avec nos organisations actuelles. Ça, ce sont les trois objectifs qui sont les nôtres aujourd'hui et qui, à mes yeux, doivent structurer le sujet du jour pour les 10 ans à venir, mais au-delà de ça, les 30 ans. Et à chaque fois qu'on fait un choix pour le climat qui est mauvais pour l'industrialisation ou la souveraineté, on fait une erreur. Et à chaque fois qu'on pense l'industrialisation en négligeant les deux autres, on fait aussi une erreur. Donc ces trois objectifs, il faut les tenir de manière agrégée. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire, par exemple, sur la stratégie automobile déployée ces dernières semaines, où nous voulons, dans la décennie, réussir à continuer la transition, baisser nos émissions, accompagner les ménages dans le changement d'usage, mais le faire en produisant davantage de véhicules hybrides et électriques sur notre sol. Et d'ici à 2027, on a déjà sécurisé 1 million de véhicules qui seront produits sur notre sol. On en produit 1,3 million aujourd'hui, en total. Donc 1 million de véhicules électriques qui seront produits sur notre sol et d'avoir cet objectif un peu supplémentaire pour 27 pour atteindre les 2 millions en 2030. De sécuriser derrière les batteries, de sécuriser l'amont des batteries, du lithium jusqu'à la transformation de celui-ci. C'est l'illustration de ce que je viens de dire, que nous sommes en train d'essayer de décliner sur l'automobile, que nous voulons avoir sur la forêt, et que nous avons commencé à avoir et que nous voulons ainsi décliner de proche en proche. Voilà pour moi le cadre de référence dans lequel nos travaux doivent s'inscrire. Et donc, vous le voyez bien, la décarbonation de notre industrie, c'est un des éléments qui doit nous permettre de continuer à créer de l'emploi industriel, consolider les grands champions, permettre de créer davantage de start-up, d'accompagner les changements d'usage, de renforcer notre souveraineté, mais en baissant nos émissions. C'est exactement au cœur, d'ailleurs, des solutions que vous avez évoquées. Néanmoins, avant de rentrer dans le vif du sujet et notre méthode, tout ça n'est possible que si à court terme nous savons traiter deux urgences. Et au-delà du cadre de référence, je ne peux pas rentrer dans le cœur de la mêlée si je ne les évoque pas ici. La première, c'est évidemment l'énergie. Nous avons un sujet de sécurisation de notre énergie. Dans le contexte international que nous connaissons tous, et je n'y reviendrai pas, mais nous allons continuer à œuvrer avec beaucoup de force dans les prochaines semaines et les prochains mois, au niveau européen, pour maîtriser les coûts du gaz, achat groupé, nos mécanismes de cap, de plafond, de prix selon justement les différentes tranches, mécanismes, je ne rentre pas dans les détails techniques qui nous permettront de mieux maîtriser celui-ci, mais surtout avec une discussion entre les grands acheteurs et les grands fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, se crée au sein du marché du gaz, parmi les pays qui soutiennent l'Ukraine et dans le contexte géopolitique que nous connaissons, deux catégories, ceux qu'ils payent très cher et ceux qu'ils vendent très cher. Et donc, on ne peut pas soutenir une même cause, la main sur le cœur, et avoir un effet de rente qui est dû à un contexte géopolitique et faire cette rente sur le dos des amis. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on ait une discussion, elle a commencé,
honnête, sincère, mais nous en avons besoin. Et donc nous allons continuer ce travail au niveau européen, et il va se compléter ensuite d'un travail, ça a été évoqué, donc je vais ici le dire, plus structurel sur la réforme du marché de l'électricité, pour déconnecter, en particulier pour des pays comme le nôtre, qui sont moins dépendants dans leur modèle du gaz, les prix de notre électricité de ceux du gaz. La Commission fera sa proposition en tout début d'année prochaine. Les procédures font que c'est un dispositif qui arrivera au deuxième semestre 2023, mais qui, normalement, devrait nous permettre à la fois de donner de la visibilité sur ces sujets et d'avoir, je pense, un marché européen qui fonctionnera mieux à cet égard au deuxième semestre de l'année 2023. Mais donc, on a une priorité en européen qui est l'énergie, mieux maîtriser les prix du gaz, réformer le sujet de l'électricité. Puis nous avons, au niveau national, le travail qui est le nôtre. D'abord, un travail pour essayer, nous, de sécuriser nos capacités. Je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'on a besoin de produire plus, vous l'avez dit. On a déjà besoin de mieux utiliser nos capacités à produire. Et donc là, nous sommes en train de remonter. Je regarde chaque jour les chiffres qui me sont donnés. On est autour de 30 gigas, donc ça va un peu mieux. Et c'est au mois de décembre qu'on devrait recouvrer une trajectoire qui est plus sécurisée sur notre parc nucléaire, ce qui est une bonne chose, et qui n'a rien à voir avec le contexte géopolitique, pour le coup. Et donc, au-delà de cette sécurisation, il y a toutes les mesures de court terme qui sont prises par le gouvernement pour donner de la visibilité aux acteurs. Les ménages, les petites moyennes entre les TPE et les petites collectivités avec, justement, là, les mécanismes réglementés et le bouclier. Ensuite, le dispositif PME qui a été présenté par le ministre la semaine dernière pour bien accompagner ces entreprises et les collectivités publiques avec un amortisseur, et puis le système de guichet pour les ETI et les grands groupes. Et là, nous allons continuer à la fois de donner toutes ces précisions, mais d'adapter en temps réel ce système avec nos partenaires allemands et les Européens pour avoir le système le plus adaptable et qui permet de, le mieux possible d'accompagner notre tissu industriel, c'est-à-dire donner de la visibilité et permettre d'accompagner les chocs qui sont subis. Il est évident que si on arrive à faire baisser durablement les prix et à créer de la visibilité sur les marchés, à réduire les éléments de spéculation, on aura d'autant moins besoin d'aider. Mais nous avons besoin d'aide à court terme, et ce sont les mécanismes qui ont été présentés et qui seront ainsi pérennisés. Ça, c'est la priorité énergie. Et donc nous continuerons dans les prochaines semaines et les prochains mois à accompagner, avec beaucoup de pragmatisme, comme nous l'avons toujours fait, comme on l'a fait pendant la crise Covid. C'est un choc qui est différent, pas un choc qui est symétrique et qui bloque toutes les économies, mais nous continuerons de le faire pour ne pas qu'il y ait justement de perte de capacité et que nous puissions traverser cette guerre et ses conséquences sur nos vies et nos économies en gardant notre force collective. Et puis il y a un deuxième choc, qui est un choc de compétitivité, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous également, c'est le choix des Américains. Je ne pourrais pas ici évoquer la décarbonation de l'industrie sans parler de l'Inflation Reduction Act que vous avez mentionné et sans évoquer le fait que nous avons besoin d'en tirer les conséquences en européen. Je vous le dis ici de manière très claire, c'est la position que j'ai commencé à défendre, que je défendrai, parce que sinon on a aujourd'hui au fond un double effet. Les États-Unis sont producteurs d'un gaz peu cher, qu'ils nous vendent cher, et en plus de ça, ils ont pris des dispositifs d'aide d'État massifs sur certains secteurs qui sortent complètement nos projets du marché. Et donc ce qu'on a réussi d'ailleurs, nous Français, grâce aux aides européennes et en européen à faire sur les semi-conducteurs, l'hydrogène ou d'autres, plusieurs industriels dans le secret de nos bureaux viennent nous dire « Vous avez bien fait de le faire vite parce que vous le lanceriez maintenant, on se poserait raisonnablement la question. » Et je pense que plusieurs de vos groupes se posent aujourd'hui la question de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique. Je pense que ça n'est pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et je pense que ça n'est pas amical. Et donc, j'irai avec beaucoup d'amitié et l'esprit d'allié dans visite d'État à Washington à la fin de ce mois et en début décembre, mais pour plaider simplement la possibilité d'une remise à nouveau. Et je pense qu'il y a besoin d'un réveil européen sur ce point. L'Europe ne peut pas être le seul endroit où il n'y a pas de Buy European Act, et ne peut pas être le seul endroit du monde où, dans le même temps, on continue à avoir un système d'aide d'État qui fait, en quelque sorte, des règles, comme s'il n'y avait pas de compétition à l'extérieur. Or, nos deux grands compétiteurs
ont des systèmes d'aide d'État aujourd'hui complètement décorrélés des nôtres. Voilà, ça c'est la deuxième priorité. Elle va supposer un débat politique, industriel, profond, en européen et en international. Et je pense que vous avez un rôle très important à jouer parce qu'il y aura aussi des choix différents entre les pays européens, parce que plusieurs de vos collègues ont aussi des marchés quand ils regardent les États-Unis et la Chine et préfèrent sacrifier une partie du reste du tissu industriel européen pour sécuriser leur marché et avoir de bonnes relations, plutôt que de dire les choses entre amis, c'est-à-dire en vérité. Je sais simplement une chose, c'est que nos compatriotes ont besoin qu'on défende leur industrie et leurs emplois, parce que sinon, il n'y a pas de stratégie possible. Et donc, on ne peut pas avoir, en quelque sorte, un sacrifié du contexte géopolitique actuel qui serait le tissu industriel et productif de notre continent. Ça, ce sont les deux priorités, si je puis dire préalables, mais qui sont importantes à évoquer. Maintenant que j'ai dit ça, comment nous allons rentrer sur cette stratégie de décarbonation de l'industrie pour tenir ces trois objectifs, ce cadre de référence que j'évoquais au début de mon propos? Eh bien, en nous appuyant sur une stratégie européenne et en la déclinant au niveau français avec une méthode dont je crois en la puissance. La stratégie européenne, c'est celle que nous avons articulée à travers Fit for 55, tarification carbone, qui renforce le marché carbone sur les secteurs déjà couverts et l'étend à quelques autres comme transport maritime, routier et bâtiment, mesures réglementaires sur les standards d'émissions de CO2, des véhicules, les obligations de déploiement d'infrastructures, l'obligation d'incorporation de carburant durable dans l'aviation et le maritime, et puis des mesures de soutien avec les fameux IPCEI qui vont encore trop lentement, j'ai entendu le message et j'en partage le constat, avec le renforcement du Fonds d'innovation et de modernisation européen pour aider les entreprises avec les recettes et la tarification carbone. Et avec ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est essentiel, parce que c'est celui qui nous permet de synchroniser nos efforts avec les non-européens. Et donc, on a notre mécanisme, comme vous le savez, d'accompagnement et de distribution aux secteurs touchés d'ETS et de crédit. Et puis, on a ensuite la mise en place de ce mécanisme d'ajustement aux frontières, qui est le seul qui nous permet de tenir cet objectif avec, si je puis dire, des formes de clauses miroirs pour les autres espaces géographiques. Cette stratégie, elle est la bonne, elle donne de la visibilité, elle doit s'accompagner, comme je le dis, pas simplement de règles, de contraintes et de rendez-vous, mais d'une stratégie massive d'investissement public et privé. C'est pour ça que derrière, nous avons multiplié ces approches par taxonomie qui permettent d'aider à orienter les flux privés, et puis il y a des investissements massifs, européens et nationaux. Et c'est aussi pour ça, il faut être très lucide, que l'Europe doit être au bon rythme et au diapason des besoins d'investissement industriel et de transition climatique quand elle regarde les autres plaques. Et on ne pourrait pas être le seul espace du monde qui, comme je le disais au sujet d'ARE, se dirait aujourd'hui ma priorité, c'est la normalisation budgétaire en même temps que la normalisation monétaire et les mêmes règles d'aide d'État que dans les années 90. Ça, je me battrai de toutes mes forces contre. C'est une stratégie ambitieuse, un cadre européen, mais derrière une stratégie d'investissement massive et rapide, publique et privée, pour accompagner ces transitions. Et donc, c'est aussi ainsi qu'on pourra accompagner. Donc, nous, en plus de tout cela, nous allons beaucoup nous battre pour avoir plus d'investissements publics et privés pour accompagner nos projets et les avoir plus vite, parce que la vitesse est clé. Nous battre pour décliner un Buy European Act que j'évoquais, en particulier sur tous les segments qui apparaissent. Le sujet des batteries en est un, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut mener ce combat. Et nous battre pour vraiment tenir ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est-à-dire éviter tous les effets de fuite ou de bord et les biais de compétitivité qui pourraient naître de notre stratégie. Cette méthode, nous voulons la décliner au niveau français, et c'est l'objet de la réunion de ce jour, en embarquant, si je puis dire, toutes les filières et tout le monde, dans une approche qui, à mes yeux, doit être complètement partenariale, partagée, et dans le cadre des trois objectifs de référence que j'ai donnés, mais en se donnant, si je puis dire, des rendez-vous réguliers, et une forme de planification qui n'est pas une étatisation des choses, c'est se donner de la visibilité et joindre nos efforts pour qu'il y ait des synergies positives. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de travaux qui sont faits, vous l'avez très bien dit. Il y a des stratégies d'entreprise, il y a des stratégies d'investisseurs, il y a parfois des stratégies de secteur, il y a beaucoup d'hétérogénéité. On a maintenant besoin de caler tout ça dans une stratégie nationale avec des rendez-vous pour que ça aille beaucoup plus vite
et pour nous pouvoir libérer et donner de la visibilité. Et donc, pour moi, cette stratégie nationale, elle doit avoir un objectif, une méthode, et puis se décliner simplement. L'objectif, il a été rappelé par le ministre et par plusieurs d'entre vous, c'est de contribuer à la décarbonation de notre économie. Les émissions sur vos 50 sites, c'est environ 43 millions de tonnes de CO2. Il faut qu'on les baisse à horizon 10 ans de 20 millions de tonnes de CO2. C'est les fameux chiffres qui repassent derrière entre les pourcentages. C'est assez simple. Et donc, en gros, ça représente 5% des émissions de la France en moins, et donc autant que les émissions de 3 millions de Français. Donc ça veut dire qu'on a un vrai impact si on sait se concentrer sur ces sites. Ça vaut la peine de s'y mettre. Et ça vaut la peine parce qu'on peut tenir nos trois objectifs, c'est-à-dire tenir nos objectifs climat, continuer à créer de l'emploi sur ces sites, et même, à mon avis, quand on créera plus de valeur, en rajouter, et réussir à tenir justement ce cap industriel crédible. Donc ça, c'est le cap. Ensuite, pour se faire la méthode, en s'appuyant sur les instruments justement de l'Europe, c'est de se doter d'une vision globale, avec les trois objectifs que j'ai donnés et intégrés, et donc d'une planification nationale, de vous donner de la visibilité pluriannuelle et ensuite d'avoir des clauses de rendez-vous très régulières pour pouvoir adapter. Parce que on sait où on va aller, on connaît le cap. Maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes technologiques. Il y aura, il faut l'espérer d'ailleurs, des ruptures technologiques. On fera, c'est immanquable, des erreurs, peut-être technologiques, industrielles, politiques. Le tout, c'est de pouvoir les corriger très vite. Et donc, il faut savoir marier de la visibilité, un cadre d'ensemble, avec de l'adaptabilité et donc des clauses de rendez-vous très régulières. Mais je pense que c'est l'intérêt de tout le monde, compte tenu des prix à la tonne de CO2 et de ce que j'évoquais à l'instant. Et donc, la feuille de route, conformément aux engagements que j'avais pris en avril dernier à Marseille, c'est la planification écologique, une première ministre qui est directement en charge de cette innovation politico-administrative, qui donne la vision, c'est-à-dire celle d'une France compétitive, durable, gérant ses ressources, pour ne sacrifier ni sa prospérité ni les générations à venir, qui tient ce cap dont je rappelais les chiffres de décarbonation, et puis qui le décline secteur par secteur. Et donc, il va nous falloir maintenant préciser nos stratégies technologiques de décarbonation en les modulant filière par filière et site par site, bâtir un plan de financement de la transition et ensuite des indicateurs communs pour pouvoir les suivre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, si je puis dire, dérouler le plan d'ensemble conformément à la méthode que je viens d'évoquer. Et donc, ce que je souhaite, et les ministres compétents sont ici présents à mes côtés, la ministre en charge de l'énergie étant à l'Assemblée, c'est de pouvoir définir aujourd'hui avec vous des premiers engagements chiffrés, une première méthode, mais surtout des clauses de rendez-vous, pour qu'on puisse maintenant scander dans le temps les choses. Et donc, fort de tout ce que vous avez su faire, du rôle du CNI, des comités de filière, et je remercie vraiment toutes celles et ceux qui y sont engagés, parce que je sais que ça vient à chaque fois, en plus de votre temps dans vos entreprises et de vos engagements, et à l'instar de ce qui a été fait, des feuilles de route conclues en 2021 dans les filières chimie, ciment, mine, métallurgie et quelques autres, c'est de pouvoir avancer conformément à nos grands objectifs nationaux. Et donc je veux que d'ici 6 mois, toutes les feuilles de route, filière par filière et site par site, soient finalisées, revues à la hausse pour s'aligner avec nos engagements européens. Derrière ça, on va mettre en place d'abord une planification par technologie. En effet, et ça a été très bien redit, à la fois par les industriels et les porteuses et porteurs de solutions, nous devons maîtriser, même devenir leader des technologies indispensables. Et vous les avez très bien illustrées dans vos propos. Et donc, nous avons les moyens, compte tenu de nos spécificités, de nos choix historiques en termes de recherche appliquée, des choix aussi de nos grands industriels, de vraiment être leader européen, voire mondial, des industries vertes, de ces industries de la décarbonation, dont vous êtes, pour plusieurs d'entre vous, les représentants. Parmi elles, l'hydrogène et la capture du carbone, en vue de sa réutilisation, qui ont des effets d'échelle particulièrement forts et qui sont absolument clés, qui ont été rappelés, et qui ont des effets de complémentarité très forts. Et donc, l'objectif pour moi, c'est qu'on puisse justement, tout en restant neutre technologiquement, et ayant bien entendu d'ailleurs qu'il y a une grande complémentarité entre ces approches technologiques, avoir une planification sur ces différents points. La première, c'est donc l'hydrogène. Madame Lambert nous en a parlé et l'a rappelé.
La France a été l'un des pays au monde à se doter parmi les premiers d'un plan sur l'hydrogène, en 2018. Cette stratégie, ensuite, on a choisi de la renforcer pour faire de notre pays l'un des leaders du secteur et de la doter de 9 milliards d'euros, avec l'ambition de faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné. Et l'hydrogène pourrait nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 6,5 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030, principalement dans les grands établissements industriels qui n'ont pas d'autres moyens pour réduire massivement leurs émissions. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. C'est à peu près la même réduction de carbone pour les mobilités lourdes, d'ailleurs, qui serait possible à travers une stratégie hydrogène, pour dire que ça n'est pas simplement une stratégie industrielle. Notre enjeu est à cet égard, conformément à mes trois objectifs, d'avoir une chaîne de valeur complète et donc de pouvoir évidemment distribuer, mais le produire et sécuriser de la création de valeur au maximum grâce à l'hydrogène en France. Nous avons d'ores et déjà investi 2,1 milliards d'euros pour construire 4 gigafactories d'électrolyseurs. La capacité de production en projet en France, chez John Cockerill, McPhy Genvia, est de 2 gigawatts par an à horizon 2027, ce qui nous permettra non seulement de répondre aux besoins français, mais aussi de pouvoir exporter, si tout ça est nominal, de l'excédent. Et en termes de déploiement, plusieurs dizaines de sites de production d'hydrogène industriel sont à prévoir sur le territoire, hors potentiel électrolyseur de stations-service. Ce qui veut dire que nous avons, sur l'hydrogène, d'ores et déjà su prendre les bons investissements. On les a consolidés, France Relance. Dans France 2030, on a sécurisé des volumes et cette stratégie. Et donc, nous avons la possibilité vraiment de reconsolider une chaîne de valeur à cet égard. Dès aujourd'hui, je veux vous confirmer sur cette première technologie que 3 milliards d'euros sont réservés pour soutenir tout ou partie des 22 projets qui ont été présélectionnés dans le cadre du projet européen, cimenterie, verrerie, usine d'engrais, plusieurs autres. Et en plus des projets IPCEI déjà évoqués, environ 4 milliards d'euros seront mobilisés pour soutenir la production d'hydrogène par électrolyse afin que nous puissions produire en France un hydrogène bas carbone soutenable économiquement. Et pour aller plus loin, je souhaite que le gouvernement renforce là aussi sous 6 mois notre stratégie nationale hydrogène en tenant compte de la nouvelle donne énergétique, des évolutions du cadre européen et en tirant d'ailleurs pleinement parti des atouts du mix énergétique français de manière à couvrir nos grandes plateformes industrielles d'ici la fin du quinquennat. Et donc fort de ce qu'on a déjà fait et accéléré, de pouvoir aller beaucoup plus loin. Deuxième technologie sur laquelle je souhaite qu'on puisse planifier l'effort, c'est la capture et séquestration de carbone pour sa réutilisation industrielle. Vous avez très bien évoqué, d'ailleurs, beaucoup mieux que je ne le ferai, la complémentarité de ces deux approches. Des expérimentations sont menées sur la plateforme de Dunkerque, avec des entreprises comme Echium ou Loast, lauréat français d'appel de la Commission européenne. Et je pense qu'à cet égard, il est essentiel de préparer un déploiement de cette technologie à grande échelle. C'est la seule qui permet, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de décarboner justement des installations pour lesquelles aucune modification de méthode ou de fonctionnement n'est possible. Et donc c'est une complémentarité complète avec ce qu'on vient de rappeler. Donc je souhaite à cet égard que France 2030 puisse pleinement contribuer à cette stratégie, le faire vite car le temps de son déploiement sera très important. Et donc je demande sur ce volet technologique, est-ce que le gouvernement là aussi sous 6 mois puisse vous présenter, et donc le prépare en intimité avec la recherche, les grands opérateurs publics et l'industrie, un plan sur ce sujet et débuter sa mise en œuvre pour justement l'intégrer pleinement dans les travaux de programmation de l'énergie. Notre programmation pluriannuelle doit pleinement intégrer cette solution technologique qui d'ores et déjà a commencé à être testée sur plusieurs sites. La troisième technologie critique, vous l'avez aussi évoquée, c'est la priorisation de la biomasse pour les usages qui n'ont pas d'alternative comme les industries qui ont des besoins de chaleur haute température difficilement substituables. Et vous l'avez parfaitement rappelé, c'est également une troisième technologie qui est complémentaire des deux premières. Et c'est là aussi, illustration de ces trois objectifs que j'évoquais, un enjeu de souveraineté. La biomasse sera essentielle pour tenir notre objectif de neutralité carbone. Et il est très clair que nous ne pouvons pas remplacer notre dépendance au pétrole ou au gaz par une dépendance à de la biomasse importée, qui plus est de l'autre bout du monde. Ce serait absurde, d'autant plus que nous avons les capacités pour la bâtir.
Et ceci vient s'inscrire dans la stratégie que nous portons avec le ministre sur, justement, toute une approche forestière intégrée et de valorisation. Vous en avez parfaitement rappelé tout à l'heure, là aussi, la complémentarité avec les différents usages en aval. Mais notre stratégie forestière doit intégrer cette approche biomasse. Au-delà, il nous faut progresser sur le stockage de la chaleur, l'optimisation des procédés chimiques et métallurgiques pour arriver à faire sauter les verrous. Évidemment, également, penser les matériaux, les composés chimiques décarbonés de demain. Ce qui veut dire que, sur tous ces sujets, pour aller plus loin, nous investirons dans la recherche sur tous ces sujets avec le CEA, le CNRS, l'IPFEN, l'INRAE, sur la forêt, pour bâtir là aussi, sous 6 mois, dans le cadre de notre plan forestier, cette stratégie biomasse au sens large. En plus des montants déjà évoqués de France 2030 et de ses stratégies, nous compléterons les programmes qui ont déjà été lancés dans le cadre de la loi pluriannuelle pour la recherche. Nous compléterons donc ces derniers de 200 millions d'euros investis dans les 3 prochaines années pour accélérer la recherche sur l'ensemble de ces technologies, recherche fondamentale et appliquée dont nous avons besoin, car plusieurs acteurs émergents de ces technologies de décarbonation ont besoin là aussi d'une accélération des programmes qui sont déjà commencés, qui ont été intensifiés il y a 3 ans, mais sur lesquels il nous faut porter là aussi un effort supplémentaire. Voilà le premier axe, à mes yeux, de cette stratégie et des objectifs que nous devons nous donner à 6 mois, c'est une planification par technologie. Celle-ci doit être complétée ensuite par une planification par grande zone industrialo-portuaire. Et donc, il faut compléter cette approche par technologie d'une approche, ça a été très bien dit, territorialisée. Les émissions de l'industrie sont concentrées autour de grandes zones industrielles et qui sont des chances et des fiertés pour le pays et qui sont des éléments d'attractivité. Et donc, ça a été très bien dit, il faut les valoriser. Alors, il faut pouvoir les valoriser, y compris par des mécanismes d'incitation fiscale. On a entendu le message du président et du maire tout à l'heure. Je le partage. Au demeurant, oserais-je rappeler que c'est exactement ce qui a été fait sur les communes qui accueillent des capacités, en particulier de production en nucléaire. Ça fonctionne très bien. Et je peux vous dire que les habitants de communes qui abritent des centrales nucléaires savent très bien qu'il y a une centrale nucléaire et ils en ont un retour financier tangible. C'est ce qu'il faut qu'on fasse mieux avec d'autres sites productifs et avec le renouvelable. Ça fait partie d'ailleurs de la stratégie que nous avons lancée sur le renouvelable. Mais donc sur ces zones industrialo-portuaires, en particulier Dunkerque, Fos-sur-Mer, mais aussi l'axe Seine, donc il y a évidemment beaucoup d'émissions industriels qui sont concentrés sur ces zones. Il y a beaucoup d'industries, mais ce sont des hubs industriels que nous voulons faire devenir des hubs verts. Et nous en avons la capacité, en optimisant bien davantage encore leurs infrastructures et leurs ressources consommées. Et donc, ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est planifier l'ensemble des stratégies qui sont mises en place. Beaucoup ont déjà commencé. Il y a eu un énorme travail qui a été fait, par exemple, de Dunkerque au Havre jusqu'à Marseille, d'électrification des ports, qui a été un travail extrêmement important. Mais il nous faut maintenant aller beaucoup plus vite et déployer des synergies, les logiques d'économie circulaire, de traitement des déchets, d'électrification des ports, d'intermodalité. Et donc l'un des enjeux clés pour toutes ces zones d'émission, c'est aussi au-delà de l'électrification des ports, de la connexion avec le ferroviaire et avec le fluvial, qui est un point absolument clé si on veut décarboner les transports, la mobilité, la capacité à acheminer, la capacité à connecter nos ports comme point d'accès avec soit les terminaux logistiques, soit les autres points de production. Et donc c'est vraiment une stratégie industrielle, portuaire et fluviale que nous voulons déployer pour bâtir des synergies entre ce qui est déjà fait et avec aussi les grands centres productifs et les grands centres chimiques et industriels que nous pouvons avoir et qui sont très dépendants de ces zones d'accès, de Fezin à Donges en passant par Tavaux ou Chalampé. Tout ça est une stratégie très intégrée qui commence dans ces épicentres industrialo-portuaires. Donc les travaux en cours sur Dunkerque, Fos-sur-Mer et l'axe Seine vont être élargis à d'autres zones industrielles pour prévoir tous ces raccordements, la disponibilité des technologies que j'ai pu évoquer sur chacune de ces zones. Et le défi qui est le nôtre, là aussi sous 6 mois, est de finaliser des stratégies. Et les ministres ont commencé à réunir d'ailleurs plusieurs des élus. Ça a été fait plus largement, mais
de certains de ces espaces, c'est de bâtir une vraie planification de ces grandes zones industrielles, portuaires et fluviales pour avoir véritablement une stratégie, là aussi, d'investissement, d'accompagnement des collectivités locales et d'accompagnement des industries qui sont d'ores et déjà présentes et de celles qui souhaitent s'y développer. Sur ce volet, vous l'avez compris, il y aura également une planification de nos investissements publics et une volonté d'aller plus loin. Cet effort prioritaire sur les grandes filières et les grands sites, évidemment, ne nous fera pas oublier le reste du tissu industriel et il sera complété par un plan d'ampleur pour accompagner toutes les entreprises industrielles vers la transition écologique, en particulier les PME. C'est pourquoi l'État, avec ses opérateurs, l'ADEME, BPI France et tous ses partenaires, en particulier les consulaires, se donne pour objectif d'accompagner 26 000 PME et ETI industriels d'ici 5 ans sur une stratégie complète. Et sous 3 mois, les ministres présenteront un plan détaillant cette approche sur, justement, nos PME. Enfin, pour réussir cette planification, vous l'avez compris, sur les grandes technologies, sur les sites et les différentes catégories, il nous faudra débloquer, si je puis m'exprimer ainsi, plusieurs leviers, s'intégrant pleinement dans le cadre de la stratégie européenne et nationale et de l'esprit que j'évoquais. Le premier levier, ce sont les moyens. Je l'évoquais tout à l'heure en parlant du fait que l'Europe avait besoin d'investir beaucoup plus, mais nous allons également consolider des investissements, et je veux ici vous dire que nous sommes aussi prêts à en faire de nouveau à vos côtés, parce que je considère que c'est indispensable, et je pense que c'est du bon investissement public, compte tenu de l'effet de levier qu'il a sur les investissements privés et les choix qui sont faits par les acteurs lorsque nous décidons de les accompagner. J'ai déjà parlé des moyens sur l'hydrogène tout à l'heure. À cela s'ajoutent plus de 5 milliards d'euros au sein de France 2030 qui seront dédiés pour décarboner notre industrie. Et donc, en plus du plan hydrogène que j'évoquais, il y aura ces 5 milliards d'euros qui ont vocation à réduire, déjà à sécuriser, si je puis dire, la réduction de 10 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que nous avons déjà, en quelque sorte, sécuriser la moitié de l'effort avec les projets qui ont été identifiés. Et que là-dessus, donc, nous avons 5 milliards d'euros qui sont fléchés. 4 milliards d'euros sur les grands projets de décarbonation profonde et qui seront répartis sur les meilleurs projets et qui sont, pour certains, déjà en phase d'instruction. Tout ça sera lancé avant la fin de l'année. Et le principal critère, ce sera celui du coût par tonne de CO2 évité, mais avec aussi une cohérence des projets avec les stratégies de décarbonation de filières et les dynamiques territoriales que je viens de présenter à l'instant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir finir les instructions et lancer tout ça à la fin d'année. Et puis donc 4 milliards sur ces grands projets de décarbonation profonde et 1 milliard d'euros de cette enveloppe France 2030 qui sera consacrée au déploiement des technologies bas carbone ciblées vers des acteurs de taille plus modeste, donc certaines ETI, mais aussi des PME ou des acteurs émergents avec des solutions plus innovantes, des technologies d'efficacité énergétique, technologies bas carbone nouvelles. D'ores et déjà, l'appel à projet Industrie zéro fossile que nous avons lancé le 13 juillet, soit quelques jours après la première coupure du gazoduc Nord Stream 1, permet de soutenir des projets. Nous allons l'accélérer et donc le compléter. Ensuite, je vais être très clair avec vous, ces moyens sont nécessaires, mais probablement pas suffisants. Je reprends les calculs. Aujourd'hui, nous avons au fond instruit, sécurisé 10 millions de tonnes de CO2 de réduction. C'est bien, mais compte tenu de ce que je disais tout à l'heure et de ce qui était rappelé par le ministre, ce n'est pas assez pour viser la division par deux à 10 ans et la neutralité carbone à terme. Et il faudra aller plus loin. D'abord sur certains des sites déjà engagés avec les technologies dont j'ai parlé et qu'il faudra pousser. Ensuite, en engageant de nouveaux acteurs dans la démarche. Et donc, ce sont les plans à 6 mois qui vont nous permettre d'instruire, de lancer de nouveaux projets et d'aller au-delà de cette dynamique. C'est, je crois, notre intérêt commun, compte tenu des augmentations du prix du carbone qui arrivent. Et je pense que notre objectif doit être de le faire le plus vite possible. C'est pourquoi, compte tenu de ce qui sera identifié dans vos stratégies, et si des projets et des sites sont identifiés, d'ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts, et si on arrive à passer au fond des 10 millions de tonnes de CO2 évitées à 20 millions instruits,
nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros d'accompagnement public. Parce qu'on a des effets de levier qui sont massifs sur ces projets de décarbonation. Et donc, au fond, c'est la logique de ces contrats de transition écologique. Nous avons aujourd'hui décidé d'investir ces 5 millions d'euros. Nous avons d'ores et déjà des projets pré-identifiés qui permettent de faire la moitié de notre taux d'effort de la décennie. Eh bien, construisons avec nos stratégies par technologie, par filière et par grand site l'autre part de l'effort, si je puis dire, du côté de l'industrie, des porteurs de solutions. Ce que je veux ici prendre comme engagement, c'est que nous serons au rendez-vous de cet effort et nous doublerons là aussi l'accompagnement au financement public. C'est l'esprit de ces contrats de transition écologique que je souhaite que nous puissions finaliser. Le deuxième levier que nous avons, c'est l'énergie décarbonée. Vous l'avez évoqué, je serai très rapide sur ce point. Nous avons un historique qui est avantageux. Nous avons une stratégie présentée en février dernier à Belfort qui repose sur 3 piliers. Sobriété, déploiement accéléré du renouvelable, déploiement accéléré du nucléaire. Avec là aussi une planification qui a été donnée à Belfort il y a quelques mois, avec d'ores et déjà des concertations qui ont commencé, des investissements commencés, des textes qui sont en train de passer à l'Assemblée pour aller beaucoup plus vite en termes de rythme, des investissements qui sont sécurisés. Et donc là-dessus, nous allons déployer. C'est la seule stratégie qui, compte tenu des études que nous avons menées entre 2018 et fin 2020, nous permet de sécuriser notre énergie compétitive et peu carbonée, historique, mais surtout de faire face au changement des usages et à l'électrification de nos différents modes de production et de transport. Et donc, cette stratégie, c'est celle qui va nous permettre, d'ici à 2040, de baisser de 30% notre consommation, en même temps d'électrifier à marche forcée, et donc de produire 40% de plus d'électricité que celle que nous avons aujourd'hui, de manière sûre, décarbonée, compétitive. C'est une force. Cette stratégie, on la complétera des avancées réglementaires que nous défendons à Bruxelles, comme la réforme du marché de l'électricité, sur laquelle je revenais tout à l'heure. Troisième levier, ce sont les talents. Vous l'avez aussi très bien dit tout à l'heure. Et donc, c'est là aussi où j'ai besoin de vous, et dans le cadre de vos approches par filière et par technologie, de pouvoir préciser les besoins, mais de pouvoir les planifier avec vous. Pourquoi ? Parce que, ça a été rappelé tout à l'heure, nous avons 70 000 postes à pourvoir dans l'industrie. Nous avons, ces dernières années, réussi à recréer de l'emploi industriel. Donc, il n'y a aucune fatalité. Et nous allons continuer à mener les réformes. En ce moment même, réforme de l'assurance chômage, pour continuer à encourager le retour vers l'emploi productif, parce que tous les secteurs que vous représentez ici, l'agroalimentaire, le secteur agricole, le bâtiment, l'industrie, la chimie, tout le monde recrute. Les derniers chiffres de l'INSEE ont encore montré d'ailleurs que l'emploi salarié continue de consolider les chiffres. Donc on a besoin de continuer à réformer notre système d'assurance chômage. Ce sera le premier pilier. Le deuxième, ce sera France Travail, réforme qui nous permettra de simplifier l'accompagnement des demandeurs d'emploi entre tous les mécanismes qui existent, en associant mieux les employeurs, par bassin d'emploi et d'avoir une stratégie où là, on a besoin de vous parce qu'il nous faut en quelque sorte une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle de nos régions et de nos bassins de vie et de travail. Et là, le partenariat avec les régions et les métropoles sera absolument clé. Mais si on sait faire ce travail de programmation ensemble, on pourra là aussi cibler nos formations, mieux les évaluer et permettre d'accompagner nos demandeurs d'emploi qui sont parfois les plus loin du travail ou qui sont au chômage depuis le plus longtemps, vers les offres disponibles. Le levier, ce sera ensuite de consolider ce qu'on a fait tous ensemble sur l'apprentissage ces dernières années, qui est un vrai succès de tous vos secteurs, mais qu'on doit encore développer davantage parce qu'il y a du potentiel. Et puis, évidemment, de réussir la transformation de nos lycées professionnels, qui est un point clé, parce que tous les métiers qui sont les vôtres aujourd'hui, on a besoin de compétences et de talents, il faut aller faire connaître ces métiers dès le collège, dans nos journées Avenir Orientation qu'on va maintenant développer dès la 5e, mais surtout nous aider à conduire cette réforme du lycée professionnel qui concerne un tiers de nos lycéens et qui doit nous permettre de mieux qualifier nos jeunes vers des métiers en tension aujourd'hui et surtout des besoins en compétences de demain, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui quand on voit les sorties d'études, soit en poursuite d'études, soit en accès à l'emploi.
Et donc là, c'est une réforme sur laquelle vous allez être profondément engagé, mais qui, en termes de gestion des compétences et des talents, est absolument clé pour réussir l'ensemble des réformes que nous évoquons. Ce qui veut dire que dans les planifications et les travaux à 6 mois que je souhaite, le levier talent doit être activé et on a besoin d'avoir une approche des besoins ainsi définie. Voilà ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Et au fond, je voulais ici avec vous partager un cadre de référence cohérent, et c'est de tenir l'ensemble des besoins de la nation, des premières échéances et un cap en termes de planification, à la lumière d'ailleurs des travaux faits ces derniers mois et de ce que vous avez très bien dit, et des clauses de rendez-vous, parce que nous avons au fond un devoir d'ambition et de réussite pour le pays et notre continent, et nous aurons besoin de l'adapter de manière très régulière compte tenu justement de l'innovation que nous portons. Alors la prochaine étape, c'est donc la signature pour chacun des sites, dans un délai de 6 mois, d'un contrat de transition écologique précisant quand et comment nous allons réduire ensemble nos émissions. Et je dis ensemble, parce que pour moi, ce contrat devra préciser les choix de technologies retenus, les investissements prévus, les aides que nous mettrons en place. Et c'est un travail que je demande au ministre de l'Industrie et de l'Énergie de piloter. La première ministre en charge de la planification écologique garantira la signature de ces contrats à travers le Conseil national de l'industrie. Et puis, c'est à 6 mois, les grandes planifications, sous l'autorité des ministres de la Transition et de l'Économie et de l'Industrie, eh bien, de nos planifications par filière technologique et par grands sites, en particulier donc industriels ou portuaires, de nos stratégies. Dès aujourd'hui, nous mettrons en ligne la carte de France des 50 sites, avec les émissions passées, les progrès accomplis, les engagements pris, et au fond, un suivi en transparence complet de notre stratégie collective de décarbonation. Il y aura donc ce rendez-vous à 6 mois, il y aura un rendez-vous à 1 an, qui nous permettra d'actualiser la stratégie qu'on commence aujourd'hui à bâtir et dont on donne les fondements, et il y aura une clause de revoyure à 18 mois, pour qu'on regarde ensemble comment on accroît ces mécanismes d'accompagnement public que j'évoquais, et si nous sommes tous en capacité, ce que je souhaite, si je puis l'exprimer ainsi, de doubler la mise. Et donc de pouvoir passer de 10 à 20 millions de tonnes de CO2 évitées à l'horizon de la décennie et des 5 aux 10 milliards d'euros investis. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. J'ai commencé par un cadre de référence. J'ai rappelé les urgences du moment sur lesquelles vous pouvez compter sur le gouvernement et moi-même pour nous battre et accompagner la capacité productive et industrielle française. Mais je crois que nous avons tous ensemble commencé à poser les jalons d'une stratégie collective. Cette stratégie, on ne peut la réussir qu'ensemble, avec le maximum d'ambition, avec beaucoup de lucidité, en étant conscient aussi de la compétition internationale. Et donc, je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur le gouvernement, pour vous accompagner dans cette ambition collective pour notre industrie, pour la nation et pour le climat. Je vous remercie.